comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Première vidéo des Wah Bof Park 2018 et je vais commencer donc cette première rubrique par parler des Wah Bof Park de 2017. Alors j'ai pas mal de wow à vous présenter, pas vraiment beaucoup de bof et de burk parce que c'est comme ça, on retient plus facilement les wow que les bof ou les burk. Le premier wow concerne ma chaîne puisque un énorme big wow puisque une de mes vidéos en 2007 a atteint plus de 10 000 vues. Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai, mais c'est vraiment voilà extraordinaire. Je n'en reviens pas jamais. Je pouvais imaginer qu'une de mes vidéos allait atteindre plus de 10 000 vues. Donc ça, c'est un big wow. Le deuxième wow, eh bien, concerne l'arrivée de mon chat Malo. Oui, mon chat Malo. Il s'appelle Malo, mon chat. Voilà. C'est un Maine Coon donc, qui a eu un an en décembre. Il a rejoint donc notre famille en 2017 et c'est une adoration. Il nous fait vraiment bien rire. Il adopte souvent des positions vraiment rocambolesques pour dormir. Et voilà, il est vraiment adorable, trop chou. Il nous rapporte parfois ses petits jouets pour qu'on lui lance. Il est câlin à 16 heures. Il perd beaucoup de poils aussi, mais vraiment, c'est un beau waouh parce qu'il est très 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 beau et voilà, on l'adore. Le troisième waouh de 2017 concerne ma montre Fitbit, voilà, qui ne me quitte plus depuis que je l'ai. Franchement, c'est une acquisition que je ne regrette pas du tout. Moi qui suis mise au sport depuis le mois d'août, j'adore aller vérifier un petit peu mes performances, voir un petit peu combien de temps j'ai fait ma séance de sport, ce que j'ai pu brûler comme calories, ce que j'ai pu aussi faire comme nombre de pas dans une journée. Honnêtement, c'est vraiment... voilà, il vient de m'envoyer un petit message. Alors ça, c'est aussi une nouveauté, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est que maintenant, je reçois aussi les notifications sur ma montre lorsque mon téléphone est juste à côté de moi. Donc ça, c'est assez sympa, un petit peu comme l'Apple Watch. Mais il faut que le téléphone soit à côté de soi. Lorsqu'il est trop loin, on ne reçoit pas les notifications sur sa montre. Mais je trouve ça, voilà, un petit gadget supplémentaire pour la Fitbit que je vous recommande. Franchement, c'est un must lorsque on a une vie active et qu'on a envie de contrôler un petit peu. Si on bouge assez, on peut même aussi contrôler son sommeil via donc une application gratuite qu'on télécharge sur son téléphone. Le quatrième wow, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ma combinaison licorne. Franchement, c'est un big wah. Alors, qui devrait s'étaler entre fin, je veux dire, 2017 et 2018. Mais franchement, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de se glisser dans cette combinaison licorne qui est vraiment mais toute douce, qui est trop agréable. Franchement, quand il fait très froid ou quand on a envie de traîner la journée, c'est un pur bonheur. Honnêtement, je suis vraiment contente le matin si je ne travaille pas de pouvoir m'y glisser directement ou le soir après un bon bain, voilà, de traîner dans le fauteuil avec ma combinaison licorne, bon, qui amuse aussi mon chat forcément puisque avec toutes les petites choses qui se trouvent voilà, derrière, et eh bien il en profite aussi pour jouer avec. Donc vous voyez, c'est double utilité, donc ça réchauffe, c'est bien chaud et en plus ça fait jouer le chat. Donc voilà, donc si jamais vous arrivez à retrouver le même style chez Etam, et eh bien je vous le recommande vivement. C'est un big wow. Le cinquième wow concerne une palette, ma palette préférée de 2017. Alors, je vais vous laisser le temps de me dire en commentaire la palette que vous pensez être ma préférée de 2017. Eh bien, c'est la palette d'Alchemist de Kat Von D. Je crois que j'arrête pas de vous en parler. Je l'adore tout simplement parce qu'elle est multifonction. Elle est toute petite. Elle, bien sûr,
Est-ce qu'elle pourrait se suffire à elle-même? Peut-être pas, mais voilà, on peut aussi bien faire l'highlighter sur la paupière mobile, sur les lèvres. En fait, on fait tout avec cette palette. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle tient très très longtemps. Vous savez, parfois, lorsqu'on met une couleur un peu irisée dans le coin interne de l'œil, je trouve que parfois, en fin de journée, eh bien, ça a un peu disparu. Et je vous dirais presque légèrement, ça picoterait un peu le soir, un peu les yeux. Pas avec ces farcis, franchement, ça tient... super bien. D'ailleurs, je vous remontre. Donc voilà, j'en ai encore mis aujourd'hui et je trouve que la pigmentation est juste terrible. Donc vous avez deux verts, vous avez un bleu rose et vous avez un plus couleur aussi rose rose champagne comme ça, rose pêche. Et franchement, c'est super joli. Je vous ai dit, on peut l'utiliser sur les lèvres. Ça m'arrive parfois que je rajoute ça sur les lèvres ou en coin interne. Ça, c'est vraiment l'application que je fais le plus souvent. Et la dernière chose. Donc vous pouvez le mettre aussi en highlighter. Donc oui, franchement, ça c'est the best of the best pour moi, un big wow de 2017. En ce qui concerne les films au niveau des wow, j'ai un film que j'ai retenu en 2017, c'est le film Split, qui est un thriller psychologique que j'ai adoré, notamment pour la prouesse de l'acteur ainsi que sa victime, je pourrais dire. Franchement, c'est un film qui m'a tenu en haleine, qui m'a surprise à la fin. Et voilà, j'ai adoré ce film et pour moi, c'est un film incontournable de 2017 que j'ai vu. Au niveau série, j'ai deux séries, je peux pas faire le choix entre les deux puisque de toute façon ce sont des séries complètement différentes. La première, c'est forcément la dernière saison de Game of Thrones, qui a été beaucoup trop courte pour moi. Je l'ai avalée trop rapidement. J'ai juste adoré, franchement, c'est pour moi la meilleure série, en tout cas dans ce style de vidéo de série, ou presque même, je dirais, de toutes les séries, tellement que voilà, au niveau univers, au niveau scénario, au niveau personnage, enfin au niveau de tout, c'est juste grandiose. C'est juste grandiose. Donc voilà, Game of Thrones. Et je sais déjà que malheureusement, ce ne sera pas non plus la série de 2018, puisque malheureusement, il va falloir attendre 2019 pour la dernière saison, donc il va falloir attendre. La deuxième série qui reste dans ma mémoire, eh bien c'est la deuxième saison de Stranger Things. C'est une série que j'ai découvert sur Netflix et franchement c'est aussi une série qui cartonne puisque je trouve qu'elle sort de l'ordinaire en nous replongeant dans une ambiance un peu années 80 avec des gamins qui nous emmènent dans un univers un peu fantastique. Et franchement, j'accroche à 200%. C'est une super série et j'attends la fin de l'année pour pouvoir regarder la troisième saison. Enfin, le dernier wow de 2017 qui risque d'être aussi celui de 2018, c'est bien sûr mes escapades en Corse, hein, c'est l'île de beauté que j'affectionne énormément. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, vous avez aussi bien la mer mais surtout la montagne, les petits villages en plein milieu de la montagne sont juste magnifiques, c'est très très beau, les paysages sont sublimes et on découvre aussi bien la Corse en hiver qu'en été. En hiver, on adore y aller hors saison puisque voilà, on est vraiment, j'ai envie de dire, assez tranquille. On arrive à plus parler avec les gens de la Corse et honnêtement c'est super, c'est voilà, c'est juste un big wow. Voilà, c'est tout pour les wow. On va passer maintenant à un seul bof. Le bof de 2017 concerne mon bullet journal que j'ai commencé donc l'année dernière et que j'ai abandonné pour autre chose en 2018. Mais je vous en parlerai pas plus que ça puisque je vais vous faire une vidéo qui vous donnera un peu les explications et vous donnera un petit peu les avantages et les inconvénients du bullet journal. Et je suis passée maintenant au planeur, agenda, philofax. Et voilà, je vous expliquerai pourquoi je suis passée du bullet journal 2017 au planeur 2018. Mais donc ça reste donc un bof. C'était plutôt un wow au début et puis pour des raisons personnelles, c'est devenu un bof. Enfin, un seul burk.
Je suis assez peut-être dure à dire Burke, ça aurait pu être bof quand même. C'est la Duty Box, box à laquelle j'étais abonnée depuis déjà vraiment plusieurs mois, je dirais bien un bon 6 mois. Et puis elle m'a déçue de plus en plus. Je trouve que les produits proposés finalement sont assez cheap, avec des produits made in Little Box qui ne sont pas non plus extraordinaires. Justement, j'étais en train d'utiliser encore un gommage visage qui est de leur marque, et franchement c'est plutôt un gommage pour le corps que le visage, tellement que c'est assez abrasif. Par contre, le gommage corps que j'avais eu, je le trouvais vraiment un peu moins abrasif. Donc voilà, je trouve qu'au niveau des produits qu'ils proposent, c'est pas vraiment top. J'avais eu en octobre ou en novembre des pilules à avaler, vous savez, pour le soleil, pour bronzer, en novembre quoi. Et qui n'était plus bon, je pense, plus valable en janvier ou février 2018. Hein. Donc c'était pour vous dire, on vous donne les restes. Hein. Alors ensuite, ils avaient fait une box aussi un peu africain. Bon voilà, avec des bijoux un peu africains. C'est pas non plus, je veux dire, un bijou qui va plaire à beaucoup, 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 beaucoup de monde. Je pense que là, voilà. Donc franchement, elle m'a très, 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 très déçue. Et pour moi, voilà, c'est un Burke, oui je sais, c'est assez dur, mais c'est un Burke parce que c'était quand même 19€ pour des produits finalement très très décevants, de plus en plus je trouve. Ce qui était bien, c'était la boîte qui était toujours assez jolie. Pourtant le concept me plaisait bien, hein, c'est-à-dire d'avoir des produits et aussi des petits goodies. Je trouve que c'est sympa de ne pas avoir que des produits make-up ou soins, et d'avoir un petit bijou, d'avoir un petit objet, je trouvais ça une très 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 bonne idée. Dommage, alors soit il faut monter un petit peu le prix et passer à du 25€ pour avoir quelque chose de plus correct. Ou pas. Donc voilà, c'était le Burke de 2017. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo de Wah Bof Burke Willys. Et on se retrouve très vite pour un autre Wah Bof Burke, cette fois-ci du mois de janvier, donc ça sera le deuxième, et après il n'y en aura qu'une fois par mois. J'espère que vous aimez bien ce concept où je vous parle, je vous donne mon avis sur plein de choses différentes du mois écoulé. Voilà, à très vite, et je vous qu'est-ce qui se... En bonus, vous aurez droit donc à mon petit Malo. Ah, mon petit Malo. Oui. Mon petit Malo. Tu dis bonjour à la caméra. Tu dis bonjour. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il est dans un petit espace, mais voilà, je suis grand, mais je m'en fous, je me mets quand même là. En même temps, j'ai tout à disposition, j'ai l'air du dehors, j'ai de quoi me faire mes petites griffes sur ce petit arbre. Je suis bien et j'ai quelques douceurs de ma maîtresse. Ah oui? Ah oui, t'es bien. Je suis beau, moi. Oh, que je suis beau. Hein? Allez, tu dis au revoir? Au revoir. Dis au revoir, voilà, au revoir.